prospérité. Vos actions entraînent l'abondance. Donc là, je ne sais pas ce qu'on est en train de faire, mais tout ce qu'on est en train de mettre en place, c'est en train de se transformer en or. C'est en train de se transformer en positif. Tout ce que tu fais. Ici, nous avons des bonnes nouvelles. Vos prières, votre prière est exaucée de façon créative. Ok, et ici nous avons discours et conférences, guidance divine. Vous avez des messages importants à faire passer, ce qui peut aider les autres, et les idées que vous avez sont les réponses du ciel à vos prières. Mes chers Choubidou, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir d'être avec vous. On va regarder les messages que je peux te faire passer. Tu prends évidemment que ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Au niveau du premier message qu'on a sur les bonnes nouvelles, j'ai envie de te dire que là, on espère que ça nous parle à tous parce que tes prières vont être exaucées. Tout ce que tu as demandé, en fait, ça va se transformer en quelque chose de vraiment positif. Nous avons ici avec le tarot de l'archange Gabriel. Vos prières, votre, pourquoi je dis vos, en fait, à mon avis, c'est que tu as fait plusieurs demande, tu as prié beaucoup et tes prières sont exaucées. Parce que là, on te dit votre prière est exaucée de manière créative. Donc, peut-être que tu as demandé beaucoup de choses et que tout ce que tu as demandé, en fait, c'est accordé. Et je le souhaite de tout mon cœur et pour tout le monde. Ok, allez, on y va. On y va. Quel message on peut avoir? Ok. Alors, on a ici quelqu'un qui s'en veut par rapport à des choses peut-être qu'il ou elle a fait. Parce qu'on te dit ici, j'ai commis des fautes et je m'en veux énormément, pardonne-moi. Donc là, il y a des personnes peut-être qui ont fait des choses pas très gentilles te concernant et c'est des personnes qui vont te demander pardon. On te dit aussi que toi, tu arrives à un tournant de ta vie et qu'il ne faut pas louper le virage parce que là, c'est pour toi, c'est cadeau. Donc, on a la notion, ouh, c'est véritablement pour toi et on peut parler aussi de ton autre. Hein, cette carte qui représente toi et ton jumeau ou ta jumelle. Ah, j'ai toujours gardé espoir de te revoir. Donc, on peut avoir quelqu'un ici qui a fort besoin de toi. Alors, je vais mettre une carte ici pour ton autre et cette carte-là qu'on te dit que tu arrives à un tournant de ta vie, je la mets à ma droite. D'accord? Alors, on va regarder mais pour les deux. Celle-là, je la remets dans le paquet. Ok. Alors, on commence par quoi? On commence déjà par une petite coupe-coupe. Voyons voir. Donc, de toute manière, il y a quelqu'un qui a commis une faute avec toi. Et cette personne, elle s'en veut énormément. Hein. C'est vraiment ce que cette personne, elle aimerait bien te dire. C'est qu'elle regrette. D'accord? Ok. Voyons voir ce que je peux te dire. Alors, ici, on parle d'exaltation et on parle aussi d'amitié. Donc, tu peux faire confiance à tes amis, tu peux faire confiance, en fait, à ta famille d'âme, à ta famille, etc. Parce que je pense qu'ils sont là pour toi. Et je pense, en fait, que vous arrivez à l'abondance. Tu vois, ici, on a la carte de l'exaltation et on voit bien que il y a le bouquet de l'abondance, voire carrément la corne de l'abondance. De ce côté-là, on peut voir comme si on t'emmène un cadeau. Ok. Alors, voyons voir ce que je peux te dire d'autre. Ouf, ça me gratouille. Voyons voir. Une autre petite coupe. Hein, si tu me le permets. Alors, on a l'harmonie et nous avons aussi l'héritage. Donc, moi, je pense que ici, ce qu'on t'a destiné, ça arrive. Ça arrive à... Comment on dit? À galop, tu sais, le cheval. Je le vois courir très, très vite jusqu'à toi. Et tout ça te donne l'harmonie. C'est comme si, en fait, tout va être éclairé. Tout va se transformer en or pour toi. Tout va être merveilleux pour toi. D'accord? Et comme je te le dis, vraiment, je te le souhaite de tout mon cœur. Une autre petite coupe au niveau de notre autre et nous-mêmes. Ici pour toi, ici pour ton autre.
Alors, du côté de ton autre, on a la fortune et de ton côté, on a l'originalité. Donc, je pense que ça soit toi ou ton autre, en fait, eh bien, écoute, l'un va pas sans l'autre et on dirait que c'est une harmonie totale, en fait, tous les deux. On voit aussi que du côté de ton autre, il y a la fortune, donc on peut nous parler d'abondance qui arrive et de ton côté, tu as l'originalité et j'ai entendu aussi l'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et ton jumeau ou ta jumelle, vous pouvez créer des choses extraordinaires pour ce monde. D'accord? Vous pouvez laisser une empreinte sur Terre. Parce que c'est ça le plus important quand tu regardes bien, c'est de laisser une empreinte de toi sur Terre. La générosité. Évidemment, donner et recevoir de l'amour pour son prochain, c'est quelque chose que personne ne peut oublier. D'accord? Ici, on a des personnes généreuses et puis en plus, on peut te dire aussi que la source est généreuse avec nous, en fait. La source nous donne tout ce qu'on a besoin. Ok? Ok. Alors, on y va. Je sens comme, c'est une énergie positive, une énergie d'amour, une énergie de beauté. De ce monde, que tout est beau, que tout est mignon. Je sais que tout n'est pas rose, tout n'est pas rose, évidemment. Mais essayons de garder en esprit la positivité et l'amour pour qu'en fait, l'amour arrive devant toi, à ta porte. On me dit aussi tu dois pas laisser certaines énergies trop proches de toi ou trop t'approcher ou venir manger tes énergies positives, d'accord? Parce que on ne peut pas sauver tout le monde, ok? Voilà. Alors, allez, cette personne qui a commis des fautes et qui s'en veut énormément, qui a besoin que tu lui pardonnes, qu'est-ce qu'on peut avoir sur cette personne? S'il te plaît. Qu'est-ce que je peux avoir sur cette personne? Ça a voulu sauter, mais bon. Alors, il y a un détachement. Je pense ici qu'on parle de voyage. Il y a comme le fait de réfléchir à un voyage, un déplacement. Peut-être aussi qu'il y a une sorte de... alors, j'ai entendu culpabilité, mais peut-être une sorte de... Comment on dit? Il peut y avoir un décalage entre toi et cette personne. J'ai l'impression aussi que, je sais pas, on a le voilier, donc je te laisse regarder. C'est comme si, tu sais, il y a quelqu'un qui a envie de voyager. On a quelqu'un qui est dans le détachement, hein, par rapport à des découvertes. Qu'est-ce que je peux avoir par rapport à ce détachement? Ok, c'est pour toi maintenant. Qu'est-ce que tu peux me dire? Ok, celle-ci. L'organisation. Pour toi, mon impératrice, parce que je pense que de ce côté-là, bon, tu me diras, ça peut être l'empereur, parce que c'est toi. C'est toi qui me regardes. Que tu sois un empereur ou une impératrice, c'est toi. Donc, on parle ici d'organisation. Mais je ne sais pas pourquoi, je sens comme si l'énergie féminine, elle est là, et l'énergie masculine, elle est là. Pardonne-moi, hein. Mais bon. Alors, de ton côté, toi qui me regardes, on a l'organisation. Donc, tu es en train d'organiser des choses. Et j'ai la notion que tu es en train de programmer des choses. Tu es en train de faire ta terre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire sa terre? Ben, ça veut dire qu'en fait, tu es là et tu fais ton... Ben, je ne sais pas si c'est l'époque où qu'on met les petites graines dans le sol pour que ça pour avoir des légumes au printemps. Mais j'ai bien la notion... que là, on est en train de mettre en terre tout ce qu'on aura besoin pour le printemps-été. D'accord? Et c'est véritablement pour ça, pour ton abondance. Tu vois, on a ici le blé. D'accord? Alors, on te dit aussi, comme tu arrives à un tournant de ta vie, tu dois choisir véritablement ce qui est important pour toi. D'accord? Et ce qui n'est pas essentiel, évidemment, tu le laisses. Le détachement pour l'autre. Nous avons la liaison et nous avons une nouvelle fois l'exaltation. Bon, eh bien, écoute, ici, on nous parle quand même d'amour, hein, d'accord? On a les amoureux ici et l'exaltation avec le fait d'être en harmonie dans un amour.
Ok, donc moi j'ai l'impression que la personne de ton cœur qui a commis des fautes de toute manière, j'ai l'impression que cette personne, tu sais, elle a besoin d'être en amour. Elle a besoin en fait d'être, et puis c'est vraiment deux cartes vraiment, je ressens comme si c'était des arcanes majeures. Donc, c'est comme s'il y a un coup de foudre. On peut voir Cupidon qui tombe. Hein, et on a le miroir. Donc, tu sais, c'est voir en miroir la personne de notre cœur. On est exalté par la personne. C'est une personne, je pense, qui, malgré le détachement, malgré peut-être la distance qu'il y a entre vous, c'est une personne qui est en extase par rapport à toi. Toi, par rapport à ton autre. Toi, par rapport à ton autre. On voit que tu es en train d'organiser des choses, toi. Et puis, j'ai pas remarqué, mais du côté de l'autre, nous avons le 11 et de ton côté, nous avons le 10. Hein. 10 et 11. Pour toi qui me regarde, qu'est-ce que je peux avoir par rapport à tout ça? Je sais pas, tes sentiments. Non, on regardera le lien au milieu, peut-être. Ouh, ça a sauté. Alors, on a l'optimisme, et la mise en scène. Alors, exactement, c'est ce que je ressens, que tu dois absolument, peut-être ici, t'organiser. On peut parler de alors j'ai entendu metteur en scène, mais ça peut être aussi des personnes, tu sais, qui, des personnes qui sont dans le spectacle. Je pense aussi que tu dois peut-être... chasser les mauvaises énergies qui pourrait y avoir autour de toi ou à l'intérieur de toi, évidemment, parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons ce côté positif, ce côté un peu moins positif, et essayer d'éteindre le côté moins positif pour laisser sortir, jaillir la lumière à l'intérieur de nous. Une fois que tu as fait jaillir cette lumière, eh bien, il faut tout faire pour rester dans cette optique-là, l'optique de l'amour, évidemment. Donc, toi qui me regardes, on sent que de toute façon, tu es optimiste. Ouh, la résistance. Alors, j'allais demander le lien, mais ça a sauté du côté de ton autre. Donc, on voit quelqu'un qui est dans la résistance. Quelqu'un qui ne veut pas, quelqu'un qui ne veut pas abandonner, malgré le détachement. Et je pense que c'est une personne, bah, vu qu'elle a commis des erreurs, hein, ben voilà, hein. Ok, le lien entre ces deux personnes. Le lien, s'il te plaît. L'influence. Donc, bon, tu vois ce que je veux dire? L'influence. Alors, j'entends comme si, tu sais, il y a le fait de... Qu'est-ce que ça veut nous dire? Bah, peut-être que vous êtes influencé. Peut-être que vous vous êtes laissé influencer, j'ai envie de te dire. Peut-être que vous vous êtes laissé influencer par des énergies qui peut-être vous disaient que vous n'étiez pas fait ensemble. La simulation. La simulation. Moi, je pense ici que vous vous êtes laissé, ben, j'ai entendu laissé berner en fait. Peut-être qu'ici, on a des personnes qui se sont laissées berner par des personnes, des influences extérieures. Et nous avons ici le pouvoir. Donc, vous pouvez accéder, en fait, à ce que vous voulez. Vous pouvez accéder à cette porte, d'accord? Alors, on a la simulation. Peut-être qu'il faut sortir de cette influence simulatoire. J'ai la notion d'un éléphant, je ne sais pas pourquoi. Il faut être juste avec soi-même et j'ai la notion qu'il faut vraiment être dans la prière et laisser vraiment les énergies qui se pardonner, me dit-on. Et effectivement, il faut en fait savoir se pardonner. Alors, on va regarder un peu plus en détail, d'accord, au niveau de toi et ton autre. Alors... Ça fait beaucoup trop. Je les remets et on recommence. Ok.
Là, on veut la vérité. Hein. Depuis quelques jours, elle n'arrête pas de venir, cette carte. C'est comme si on cherche la vérité. On veut que la vérité ici. Hein. Ah ouais, c'est ça. Ok, alors, au niveau de ton autre, pour toi, et le lien qui vous unit. Le lien qui vous unit. Ok. En dos de deck, on vous demande ici de débrancher, hein, de se débrancher peut-être au monde, de se débrancher à tout ce qui nous fait pas du bien, débrancher les téléphones, débrancher les télés et plutôt aller en nature. Et je te dis, hein, là on voit des personnes qui débranchent, qui vont un peu à la porte pour aller voir la nature et derrière nous avons la terre Gaïa. Donc voilà, on a peut-être envie aussi de se rendre en nature, d'aller dans la nature tout simplement, j'allais dire la forêt, après tu me diras il fait un peu froid en ce moment pour aller en forêt, mais sortir, d'accord, sortir, prendre l'air frais, c'est très positif. Alors pour ton autre, sauvetage, il a besoin d'être sauveté. D'accord? C'est une personne qui a besoin de l'aide. Alors, soit il a besoin de ton aide, il peut avoir aussi besoin de l'aide des gens autour de lui, et il peut avoir aussi besoin d'aide, surtout en tout premier, du divin. Et il va être sauveté, d'accord? Parce qu'ici, tu regardes, on a une main qui vient... Alors, on ne voit pas trop, mais il a une main ici qui le tire de cette eau. Et tu vois, cette carte ici, on voit que c'est une personne qui est dans le détachement. Tu sais, j'ai la notion qui se laisse aller. Et peut-être il est dans l'eau, même si ce n'est pas de l'eau, tu sais, il est dans l'eau et il se laisse complètement couler. Jusqu'à temps que quelqu'un vienne le sauver parce qu'il ne peut plus respirer, évidemment. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il est exalté par rapport à un amour. Toi qui me regardes, on a la vision et le troisième œil. Toi, tu vois tout, en fait, chère impératrice ou cher empereur qui me regarde. Tu vois tout, ton troisième œil, il est ouvert et le monde spirit, il est avec toi. Le monde spirituel, il te montre tout, en fait. Tu vois tout avec ton troisième œil. Ça peut être aussi au niveau des songes, hein, dans tes rêves, tu vois les choses à l'avance. Le lien, l'action, mais ouais. Ici, on voit que vous allez passer à l'action. Vous avez envie de passer à l'action. Vous avez envie d'être dans votre meilleur live, meilleure vie, d'accord? Donc là, il y a des passages à l'action qui s'annoncent. Mon impératrice, on te voit que ton troisième œil, il est ouvert. Tu es dans la prière, dans la méditation. Tu es peut-être aussi que tu aides beaucoup ton autre. Tu sais, c'est la notion que en fermant les yeux, avec ce que tu sais faire, tu peux très bien aider ton autre à sortir d'où il est. Et tout ça par rapport à un amour. Ok. Ok, alors, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? D'accord. Par contre, là, on me dit que l'impératrice sera l'impératrice, l'empereur sera l'empereur. D'accord? Voilà. Je parlerai de l'impératrice et je parlerai de l'empereur. Attends, il faut que je regarde un truc. J'ai cru que tout à l'heure, j'avais fait tomber une carte. Non, c'est bon. Bon, on y va. Alors, donc là, on voit qu'on va passer à l'action. Que ça soit tous les deux, il y a un sauvetage d'un côté, il y a la vision, le troisième œil de l'autre. Alors, ici, nous avons l'empereur. L'empereur qui sent que l'impératrice est très triste. Ou alors, c'est l'empereur qui est très triste. Ok, me dit-on, on n'interchange pas les énergies, là. L'empereur, c'est l'empereur, l'impératrice, c'est l'impératrice. Donc, est-ce que cet empereur, il a très peur que tu l'as oublié? C'est possible. D'accord? C'est totalement possible. J'ai un empereur ici qui a besoin d'être sauvé. Alors, qu'est-ce que je peux avoir pour l'empereur et l'impératrice, s'il te plaît? Oui, bon, ici on a quelqu'un qui, l'empereur qui est encore en mode repos, ouais, il est en mode repos parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui prend fin dans sa vie.
De ton côté, mon impératrice, j'ai l'impression que tu vas fêter quelque chose. Il y a un accomplissement dans ta vie. Ben, c'est ce qu'on voit de toute façon, que tu es en pleine organisation, tu es très optimiste et tu es en train de mettre en scène tout en fait. D'accord? Tu es en train de mettre en place tout. Tu es en train d'organiser ta nouvelle vie ou ta nouvelle vie qui arrive. Ouais. Tu gardes le silence, tu es sage comme une image. Tu es très sage comme une image. Tu es dans l'apprentissage. Dans le fait d'apprendre encore et encore et encore et toujours. Toujours et encore. L'empereur. L'empereur qui est en train de prendre aussi quelques informations. Alors, on l'apprend, l'empereur. Voyons voir ce qu'on peut savoir sur l'empereur. Bon, c'est quelqu'un ici qui vit quelque chose d'un peu compliqué. L'empereur, là, il est en train de vivre un petit peu de tristesse. On parle d'ennui moral. Ouais, un ennui moral. Il ne se sent pas bien. Une troisième, s'il te plaît. Et nous avons l'ermite. Hein, donc, il préfère se taire. Il est sage comme une image. Il préfère rien dire par rapport à ce qui l'entoure. L'impératrice, s'il te plaît. L'impératrice, s'il te plaît. Ok. Ouais, ok, ok, ok. On me dit plein de choses. Il y a plein de choses qui me traversent l'esprit, là. L'empereur, il est omniprésent dans le sens où il t'observe beaucoup. Il regarde tous tes avancements, il regarde toutes tes constructions. Il prend des informations sur tout ce que tu fais. Il est... peut-être que il te protège beaucoup. On me dit, il y a beaucoup de visuels. Ouais, c'est ça. Pour l'impératrice, s'il te plaît, si tu peux me dire. Peut-être que je peux pas. Hein. La tempérance. Donc là, l'impératrice, elle est en mode guérison. Elle est en mode, elle prend son temps. Elle observe. Elle médite beaucoup. Elle prie. Elle est très protégée aussi par la source. Elle essaye aussi peut-être d'accomplir ses choses. Elle est vraiment dans une harmonie totale. Et puis en plus de ça, avec le jugement, tu vois, on te parle vraiment de victoire, que tu vas être vraiment dans un accomplissement. Et je pense ici que tu as choisi. Tu as choisi en fait, tu as choisi tes victoires. Tu as choisi ce qui était important pour toi. L'impératrice ici, elle a choisi ce qui était important pour elle. Et au jour d'aujourd'hui, maintenant qu'elle a... quitter tout ce qui l'empêchait d'être elle-même, eh bien, elle est dans une harmonie totale. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur le jugement? Ouh, des nouvelles, très rapidement. Il y a quelque chose d'assez rapide qui arrive. Ça peut être aussi ton empereur, hein. Ça peut être aussi des nouvelles de ton empereur. Il peut aussi interférer avec toi par des pensées du côté de l'empereur. Oula, la jalousie, hein. La dépendance, je pense qu'il y a de la dépendance au niveau de l'impératrice. Et ouais, et ça peut être un peu des énergies charnelles. Il a vraiment... Alors attention, parce que j'ai l'impression qu'on peut, comment te dire, ressentir ici... c'est pas de la jalousie forcément, mais il a envie d'être libre. Voilà, c'est ça. Il a envie d'être libre avec cette impératrice, l'empereur. Il a envie d'être libre, d'être libéré de ses chaînes. On voit ici un empereur qui a besoin de liberté. Il va se délibérer, en fait. Il va se délibérer, je ne sais pas si ça se dit, mais on voit un empereur ici qui va se libérer de toutes ses chaînes. Il a envie de quelque chose. Il réfléchit à des choses. J'ai l'impression que tout s'est écroulé un petit peu dans sa vie, hein. Quoi d'autre pour l'impératrice? L'empereur. Ok. Par rapport à une injustice. D'accord? Une injustice hein, au niveau du cœur.
Mon impératrice, j'ai envie de te dire aussi que tu peux avoir deux énergies masculines autour de toi. Hein. Ok, c'est possible. Bon, de toute manière, on voit qu'il y a quelqu'un de bloqué. Il y a quelqu'un de bloqué dans le passé. Bon, l'impératrice, si c'est possible. Toi qui me regardes, l'as de pentacle, on te donne tout en fait. Hein. On te donne tout, 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 tout. On te voit en fait que tu vas kiffer ta vie. Tu attends que les choses sont en train de fructifier. Et tu es vraiment cette reine de pentacle. On voit que tu as toute l'abondance que tu mérites en fait. Et on te voit bien, même si tu es seule, parce qu'on peut voir ici une impératrice qui est seule, mais tu es dans le cœur de l'autre. Hein. Le cœur de l'autre. Vraiment. Hein. 7 de coupe, 7 de pentacle. Donc là, maintenant, on attend juste que tout se mette en place au niveau du lien d'amour. Ouais, bah, y a quelque chose qui prend fin. Ça a été dur. Hein. On me dit que ça a été très, très dur. Mais là, vous arrivez à un point de non-retour. On se délie de toutes les chaînes. On n'est plus, on a pu être aveugle pendant longtemps, mais là, je pense que c'est fini. On n'est plus aveugle. On va laisser derrière nous toutes les choses qui ne nous vont pas, qui ne nous ont pas fait du bien. Cette injustice. Hein. D'accord. Alors, j'ai envie de regarder... J'ai envie de regarder autre chose. Donc, mon impératrice, on voit que tu as la vision. Tu es très portée sur l'organisation de ta vie, de la mise en scène hein, de ta vie. Tu es très optimiste. L'empereur, on voit que malgré le fait qu'il nage un peu dans la smoule, là, il va être sauveté. Il va avoir un sauvetage. Ouais, la guérison. La guérison du cœur. C'est un cadeau. La famille. Donc là, il y a aussi pas mal de choses qui se passent au niveau familial. On a le dévouement, on a la sagesse et on a la connexion. Et on se voit en fait en miroir. Donc là, si on peut retourner... garder un message... C'est que cette personne, en fait, elle s'en veut beaucoup par rapport à toi et qu'elle a vraiment besoin que tu lui pardonnes. Ouais, cette personne a véritablement besoin que tu lui pardonnes. Nous avons la nostalgie de l'amour. Alors, du côté de ton autre, indécision, hésitation par rapport à un choix. Il y a un choix. Et on a encore, tu as vu la notion de l'eau. Hein. On a un requin, on a des requins ici. Peut-être qu'il est dans une fosse à requins. Pour toi, mon impératrice, tu es dans... Ou l'empereur, évidemment, toi qui me regardes, on dirait que tu es dans une transformation. On parle ici de pleine force. Et tu as un engagement qui est là. Alors, on a encore cette notion de repos, de repli pour ton autre. C'est une personne qui a la nostalgie, on te dit, et il y a des larmes. Et c'est un amour, une union qui est charnelle. On a une union charnelle. Peut-être que cette personne n'est pas bien dans un choix. Soit il a fait un choix qu'il regrette, soit là, à l'instant présent, il est dans un choix, dans une indécision. On peut parler d'amour charnel. Il y a la notion de peut-être, je ne sais pas, on a la pomme ici, peut-être qu'on est attiré par quelque chose de plutôt charnel, alors que c'est l'amour qui prime, d'accord? On dirait qu'il y a des retrouvailles en attente, on parle de guérison à venir, il y a des choses que tu ne peux pas savoir pour l'instant. J'ai l'impression que toi qui me regardes pour l'instant, même si tu es en pleine forme, mais il y a quand même le fait d'être un petit peu tristouné. Et on peut te parler de conflits, de disputes. Donc, garde le silence. Peut-être c'est en rapport avec les guidances d'hier.
Mensonge, trahison et rivalité. Ouais, je pense qu'il y a des conflits, il y a des disputes un petit peu autour de vous. Chut, tu dis rien, tu t'occupes de rien, c'est pas ton problème. D'accord? Et quand il y a des trahisons, des disputes, des mensonges, des rivalités et tout, ben tu laisses ça pour les autres parce que toi, tu dois faire ta propre vie. Hein, on parle ici d'un amour véritable ici. Discussion cœur à cœur entre flammes jumelles, évidemment. Cette personne a des problèmes à régler et doit consolider l'essentiel. Le libre de tout satisfaction. Donc, tu vois, c'est la notion qu'on n'a même plus envie d'être jaloux, on n'a plus envie d'être dans le sacrifice ici. Cette personne a envie d'être libre de tout, d'accord? Et elle a envie aussi de te dire, bon, bah voilà, j'ai fait des erreurs et j'ai envie que tu me pardonnes, quoi. Bon, j'espère que ça t'aura parlé parce que je pense que la lecture est terminée. Dis-moi en commentaire tous les messages que tu as reçus. Je t'aime très fort. N'oublie pas que tu as la bonne place. Tu ne peux pas être à la place de quelqu'un d'autre parce que ta place, évidemment, c'est la meilleure. Bisous, bisous, c'était Gabi. Je vous aime trop.